Modi Mahdi Thierry se prenait pour un aéroplane blindé. Il a amorcé une périlleuse montée en chandelle quand il entendit sa maman bavarder au téléphone. Sa mère. Mardi sera un jour maudit. C'est épouvantable. Je crains le pire. Tu ne peux pas savoir à quel point j'ai peur. Et Thierry termina son vol plané dans le jardin. Il atterrit en catastrophe sur la pelouse et resta planté là, en se demandant quelle malédiction allait frapper Mardi. Et si Mardi, tous les magasins étaient fermés, ça serait chouette de ne plus s'ennuyer à faire la queue. Mais si les bonbons, les caramels, les esquimaux et les chocolats étaient remplacés par un repas de cantine, ça serait épouvantable. Et si mardi des cambrioleurs venaient voler tous les meubles de la maison, de toute façon, ils étaient vieux et minables. Mais plus de lits, plus de chaises et plus de portes parapluies. Ça serait épouvantable. Et si mardi on kidnappait, Thierry avait toujours rêvé d'une aventure comme ça, avec un tas de gens à sa poursuite. Mais papa et maman devraient se débrouiller sans lui, et ça, ce serait épouvantable. Et si mardi on annonçait un rat de l'arrêt à ce moment de l'histoire, Thierry se dit que l'eau c'était vraiment chouette, mais il se rappela aussi que sa mère ne savait pas nager. Sa tête sous l'eau, elle trouverait ça épouvantable. Et si mardi des bandits attaquaient la banque de papa, je suis sûr que papa les attraperait et qu'il deviendrait un héros. Ça serait super de voir papa à la télé, au journal de 80 heures. Papa à la télé, au journal de 20 heures. Mais si les bandits ligoter papa au pied d'une table et le baillonner avec un torchon, ça serait épouvantable. Et si mardi une sorcière et son balai entraient
par la fenêtre et s'installer dans le grenier. Ce serait vraiment chouette d'avoir une sorcière comme copine. Elle lui apprendrait ses formules magiques. Mais si elle décidait de changer toute la famille en crapaud, ça serait épouvantable. Et si mardi un tigre s'échappait du zoo, Terry n'aimait pas voir les tigres en cage. Mais se retrouver chacun de son côté, a fait le guet au coin d'une rue, ça serait épouvantable. Si mardi un fantôme endormi depuis plus de 100 ans, dont la cave se réveillait brusquement, ce serait vraiment chouette d'avoir un fantôme comme copain. Il l'aiderait à jouer les revenants. Mais voir ses parents faire de peur quitter la maison pour toujours, ça serait épouvantable. Et si mardi des Martiens se posaient dans le jardin, ça serait chouette savoir enfin s'ils ressemblent à des Olmecs, des robots ou des boules de gomme. Mais se retrouver brutalement en route pour la rue Lune, ça serait épouvantable. Et si mardi on annonçait l'arrivée d'un cyclone? Un cyclone, ça doit faire un fantastique tourbillon. Mais voir son volet à tout jamais tous ses jouets préférés, ça serait épouvantable. Si mardi le ciel nous tombait sur la tête, c'est vrai que le soleil, la lune, les étoiles et les petits nuages blancs du verdeux accrochés aux branches et aux fleurs du jardin, ça pourrait être chouette. Mais avoir un énorme rien au-dessous de la tête, une sorte de grande bassine vide, à l'envers, ça serait épouvantable. Maudit mardi arriva enfin. Terry se réveilla tout excité. Le grand jour, il allait enfin savoir ce qui devait arriver de si épouvantable. Mais ses cousins préférés vinrent goûter et c'est tout. C'est fini.